Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter l'interview d'Éric Lancelot, directeur du foyer Jeunes Travailleurs de Morlaix, réalisé par les jeunes de la classe relais de Morlaix. Je m'appelle Éric Lancelot, je suis directeur du foyer de jeunes travailleurs, hein, qui est un lieu d'hébergement temporaire pour des jeunes de 16 à 30 ans. Donc un foyer de jeunes travailleurs, donc c'est un foyer d'hébergement. Hein, ici sur Morlaix, on a 81 logements pour 88 places, parce qu'on a des logements doubles et des appartements. Grosso modo, c'est un lieu qui accueille des jeunes de 16 à 30 ans qui sont en emploi, en formation, à l'école, donc scolaire ou étudiant, ou en démarche d'insertion. Donc on accueille aussi des demandeurs d'emploi pour rechercher leurs projets, que ce soit d'emploi, de formation. Donc c'est un lieu aussi, au-delà de l'hébergement, qui permet aux jeunes accueillis, aux résidents, d'être accompagnés par les travailleuses sociales. On a un service social qui peut, pour ceux qui le souhaitent, bénéficier de cet accompagnement. Donc c'est ce qu'on appelle un accompagnement global, donc sur l'insertion, donc sur l'emploi, la formation, en lien avec la mission locale, le Pôle emploi par exemple, ou les entreprises. Mais c'est aussi sur le volet social, la santé, le transport, le budget, le logement, tout ce qui est papier, etc. Et bien, je dirais qu'il faut de la patience, il faut de la persévérance, et puis il faut rester de l'humilité, hein, puis des valeurs simples d'éducation populaire, puisque les foyers de jeunes travailleurs sont quand même issus d'un milieu d'éducation populaire, donc qui ont des valeurs basées sur l'entraide et la solidarité. Non, c'est un métier qui peut être parfois embêtant, mais c'est pas très difficile. C'est un métier qui est intéressant, puisqu'il bah, qui me plaît en tous les cas, puisqu'il me permet d'être en contact avec les gens, c'est ce que j'aime.